Bienvenue à cette série d'émissions animée par Charline Issé et présentée par Rafiki Issé Kalou. Wapendwa katika Bwana, tunawatakia heri ya mwaka mpya. Heri ya mwaka mpya wenye salama. Heri ya mwaka mpya ya wokovu. Heri ya mwaka mpya ambao utakutana na Kristo kama umefanya siku mingi au umjue Kristo. Hiyo ni mwaka ambao utakutana na Kristo, atabadilisha maisha yako. Ndio maana tunakutakia heri ya mwaka mpya. Acha tuombe na tuanze ujumbe wetu wa leo. Hallelujah. Seigneur, nous te bénissons pour ce message encore. Touche le cœur de quelqu'un, touche le cœur de frère, d'une sœur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Bien-aimé, je vous disais que personne ne vivra éternellement sur cette terre. Je voudrais que nous puissions faire ensemble un voyage dans la Bible pour découvrir cette vérité. Et nous allons surtout voir la vie de nos patriarches. Le patriarche a commencé par Ada. Nous serons ensemble aujourd'hui dans Genèse 5. Genèse 5, verset 2 est suivant. Et ce texte nous révèle clairement comme quoi personne ne vivra éternellement sur cette terre. Genèse chapitre 5. Nous disions que nous serons dans Genèse chapitre 5. Genèse, le chapitre 5, et nous allons lire du deuxième verset, et nous allons descendre. Mais retiens, personne ne vivra éternellement sur cette terre. Alors personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, sois humble. Parce que tous nous sommes sur terre, nous finirons par partir. Évitons de rendre la vie difficile aux gens. Chibote tout à pita. J'ai vu des gens qui étaient tellement durs dans ce monde, qui rendait la vie difficile à tout le monde. Sont partis, hein? Sont passés. Wale ambao walikuwa wakali sana. Na wajua hata katika dunia, katika inchi, katika tauni ya kuna wajua. Walipita. Katika inchi, tunajua wale ambao wanatembeza watu kabisa, wanasumbua vichwa vya watu. Hata waongozi wale ambao wanasumbua vichwa ya raia. Hata wale wanaua watu huko na mipanga. Kwa nini wanafanya? Watapita kesho. Tout le monde passera. Et si tout le monde savait qu'un jour nous passerons, personne ne pouvait nuire à l'autre. Si au moins il y a combien de minutes à pita, quoi nini nikate maisha ya mutu ambayo itajishia katu siku moja. Kwa nini nipatie mutu sumu na jua kwa maisha itaisha na mi kesho nitapita. Kwa nini niharibu maisha ya watu na minajua kesho na mi nitapita. Bien aimé, que Dieu nous aide, Mungu angeli tusaidia, tuweze kuhesabu siku zetu. Personne ne vivra éternellement sur terre. Genèse chapitre 5, le verset 1er. Nous allons commencer au verset 2. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Ada, écoutez, Ada, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Ada, âgé de combien? De 130 ans. Il engendra un fils à sa ressemblance et à son image, et il lui donna le nom de Seth. Le jour d'Ada, après la naissance de Seth, ils furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. On dit, tous les jours qu'Ada vécut furent de 930 ans, et il mourit. 930 ans, écoutez-moi bien. Quelqu'un que Dieu a créé, parce que Dieu a créé Adam, afin que Adam vive éternellement. Mais à cause du péché, Adam n'a pas même réalisé 1000 ans, pas même un millénaire. Adam lui-même, il a vécu seulement 930 ans. Yondio Maisha, mon Adam Atapita. Suivez maintenant. Si nous descendons, vous allez comprendre que tous les autres patriarches, leur vie est en train de baisser. Et il y a aussi, vous allez comprendre, et Seth vécu après la naissance d'Enoch, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Seth firent de 912 ans, puis il mourit. Et on nous montre, là, les gens vivent encore très longtemps. Et nous allons maintenant
essayez de voir une autre personne au chapitre 14, au verset 14. Tous les jours de Kéna firent de 910 ans et il mourit. Mahalaël, âgé de 65 ans, engendra Jérel. Mahalaël vécut après la naissance de Jérel 830 ans. Voilà, les années sont encore au-dessus. Batubangali Mouma 800. Tous les jours de Jérel firent de 962 ans. Puis il mourit. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Metushéla. Enoch, après la naissance de Metushéla, marcha avec Dieu 3 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 350 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch hakufariki, Mungu alimuchukua. Ndio mtu wa kwanza mwenye Mungu alianza chukua na kali hai. Wakati ya nyuma alikia chukua wile wengine, lakini alimuchukua hapo. Odi Enoch marcha avec qui? Avec Dieu. Je voudrais demander à quelqu'un de demander la grâce à Dieu, de marcher avec Dieu jusqu'à ton dernier soupir, comme Enoch. Demandons à Dieu la grâce de marcher avec lui jusqu'à notre dernier soupir. Marcher avec Dieu. Alors, vous allez comprendre que il y a aussi le mec. Le mec, c'est maintenant le père de Noé. Le mec, il va maintenant, le mec âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de qui? Les noms de Noé. Et maintenant, vous comprendrez que là, les âges des gens sont encore au-dessus. Mais ce qui est en train de m'étonner est qu'on dit maintenant, on dit que tous les jours de Metushéla, tous les jours de Metushéla, firent de 900, je sais combien, 960, de 900 69 ans. Alors que Ada, lui, c'était 930 ans. Mais Touchela va avoir un bonus de quelques années de plus que Ada. Ça, c'est aussi une grâce qui lui a eu. Mais bien aimé, vous allez voir maintenant, quand nous arrivons à Moïse, par exemple, Noé, lui aussi, avait eu beaucoup d'années. Mais quand nous arrivons à Moïse, Moïse, lui, était mort. Moïse, lui, était mort aussi. C'était à 120 ans que Moïse était mort. Et là, ce que maintenant, ce qui était prédit à l'époque de Noé, que les jours de l'homme vont être réduits à 120 ans, c'est maintenant Noé, c'est maintenant Moïse, lui qui va mourir à 120 ans. Et vous verrez, les Abraham n'ont pas atteint même les 200. Vous verrez les Isaac, les Jacob, peut-être que j'aurai le temps de vous donner ça avec précision, l'âge de chacun. Chacun est mort à quel âge? Mais c'était des âges inférieurs, comparativement à leur patriarche. Et c'est là que Jacob lui-même va dire devant Pharaon, il dit, « Si kuzetu, si kuza pelerinage yetu, si kuza matembezi yetu ni chache sana na mbaya. » Tukizi angalia, mumacho gizi wazazi wetu waliishi siku nyingi, lakini sisi tuliishi katika magumu. Ça, c'est Jacob. Et aujourd'hui, maintenant, bien-aimés, nous mourrons vite. Nous mourrons très vite. Personne ne vivra éternellement sur terre. Bien-aimés, même Ada, qui a été créé pour vivre éternellement à cause du péché, il a vécu seulement combien? Il a vécu seulement 930 ans. Mais Metushéla va avoir un petit bonus par rapport à Ada, lui va vivre 960, je ne sais combien. Mais tous sont morts. Personne n'a atteint 1000 ans. Et nous maintenant, aujourd'hui, ceux qui atteignent 100 ans, comme on dit dans ma langue, Wangeb, ce n'est pas vraiment facile d'atteindre 100 ans aujourd'hui. Nous mourons vite. Mais l'important, c'est mourir à Christ. Alléluia. Que Dieu nous aide. Nous allons prier pour dire à Dieu de nous aider, de nous protéger, de nous aider afin que nous puissions comprendre réellement l'importance de la vie. Père de gloire, nous prions pour ce message. Soutiens cet ami, soutiens cet auditeur, cette auditrice. Aide-nous à comprendre que nous ne vivrons pas éternellement sur cette terre et que notre vie terrestre est courte. Passe vite.
Merci Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez été bénis. Prenez les bonnes décisions pour votre vie. C'était votre serviteur, Rafiki Iseka Loulou, au compte de la Dynamique IVPD. Pour tout contact, appelez-nous au 09 90 66 45 65 ou par WhatsApp 081 19 89 706 et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Rafiki Iseka Loulou. Soyez bénis.